Oh, I was a working class young man with a callus on my knee. KMG Brooks, tu vois, il y a un truc, hein. Ils sont mis d'accord. Putain, c'est les mêmes. Et du coup, là, t'es à trois paires. Ouais. Ce soir, premier demain, deuxième demain et dimanche. Ça dépendra du taux d'humidité. I'll be a union man. Ça va ou c'est... Non, c'est pas sorti. Tu t'en fous. And break our millstone free. L'armée de la pomme-pote. So I signed to the fighting men. Without an education, there's little choice but take. Yo les traders, et bah bienvenue dans ce Weekend Shock. Donc on est à Gérardmer. Et bah c'est la première session du Weekend Shock. Donc là ce soir c'est une petite sortie de 12 km. Demain on fera un peu plus gros, entre 60 et 70 km. Et finir entre 30 et 40 dimanche. Donc voilà, bah écoutez, allons-y, hein, et puis allons explorer ces Vosges en repérage de l'Infernal Trail des Vosges qui sera dans 49 jours exactement. C'est parti. Il y en a une qui est heureuse d'être là, 3 km 5 410 plus. C'est bien. Là, c'est 100 mètres de dénivelé. Heureux. Avec une pizza, on est toujours heureux. Il était qu'on mange. Il ne pleut pas avant 11h. Après, c'est la débandade jusqu'à 20h. Moi, je suis dedans en partie. Oh, il est 5h44 et on est parti pour une boucle de 40 et une boucle de 22 km ce matin. Avec une météo qui va franchement être dégueulasse, hein, parce qu'ils ont prévu la pluie toute la journée. C'est pour ça que j'ai réduit le 30 en 20 de l'après-midi, parce que je pense que psychologiquement ce sera assez. Bah bonne course, hein. T'es sûr que tu veux venir? Ça va aller. Ciao. Voilà. 6h du matin. C'est beau. C'est la station de trail des Vosges. Voilà, c'est là. Je suis très positif sur la météo pour l'instant. Et le programme aujourd'hui. Hop. C'est là le Vachiante. Donc le parcours 8. Et après le 6 ici. Qui sera un peu plus roulant. Voilà. Donc c'est parti, on suit la balise 8 et on profite de ce silence et de ces petits oiseaux pour avancer. Je suppose du coup qu'on va là-haut. Parce que bon, on descend, on remonte. Bon, c'est parti pour 400 D+, et ça commence. Joyeusement. Il faut dire que ce 400 D+, n'était pas le bon chemin. Et du coup, je suis redescendu. Je me suis perdu. Je suis perdu. J'ai plus de balise et je sais pas où je vais. On verra. C'est mignon. 20 minutes que je tourne en rond. Ça y est. Enfin. Quel enfer. J'ai pas envie là. Je sais pas s'il y a un truc à voir, mais on le verra pour. Quoi? Une belle communauté de chameaux. Ah, le poil plus haut. Il n'y a plus qu'à descendre. Bon, on aura été sauf pendant les presque 4 premières heures, mais ça y est, il pleut. Toi, ils sont plus allergiques, quoi. Ouais, c'est 350 D+ de fin. J'espère que je ne suis pas encore perdu, parce que...
mieux positif. Oui. Bon, chemin numéro 6, 22 km, 1200 D+, prédiction 3 heures, voilà. 3 fois 7, 21, un peu plus de 7 de moyenne, voilà. Et comment tu te sens ? Bon, ça va. Je veux pas qu'il pleuve. Allez. T'as comme un garde. Allez, on se motive. Non, je déconne, on regarde le dessin. C'est très joli, Paris. Bon, en fait, avec 20 bandes de plus, ça passe bien aussi. 350 derniers des plus. C'est la bière de la fin de course du trail des poils. Allez, ça pique. Okay. À ce week-end. Yes. Dimanche matin, jour 3. Hier, on a fini l'après-midi avec un petit 22 km en 3 heures. On s'est un peu perdu. C'était technique, mais bon, c'est cool. Et puis là, bah, un peu de compagnie ce matin, donc ça va faire plaisir de partir pour ces 30 km qui boucleront ce week-end. Et on en profite pour fêter les 100 km du week-end. Bah c'est de retour à la maison après ces 3 jours un peu foufou dans les Vosges. Et bah voilà, aujourd'hui le programme donc c'était de faire une trentaine de kilomètres avec du coup 2 abonnés, donc c'était vachement sympa de partager ce moment là avec eux, très sympa. Et bah voilà, c'est le bilan de ce week-end choc du coup, où je commence à un peu avoir mal aux pattes, hein, ça y est, juste les cuisses un petit peu là, sur les latéraux, mais bon, en soi ça va. Donc pour récapituler, bah on a fait 112,75 km pour 4890 de D+, en 16h20 à peu près, voilà. Donc le bilan est plutôt positif, ça donne un bon aperçu quand même de ce qui va nous arriver à l'Infernal des Vosges. C'est pas forcément rassurant, mais bon, au moins on sait à quoi s'attendre maintenant. Bon ben voilà, je pars en vacances maintenant, et puis ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.